Hey Michel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des histoires annexes de Doki Doki Literature Club Plus. Je vais vous montrer ce que j'ai eu en faisant la route de Sayuri et en faisant quelques succès de Steam du coup. Et je sais pas si le son de mon micro il change un peu. C'est normal, c'est parce que je dois temporairement changer de micro suite au problème qu'il y a eu lors de la vidéo. Ça s'est répété pendant le live d'hier. Enfin, à l'heure où je parle, pour moi c'est mardi, du coup c'est pour ça que je dis hier. Et du coup, il s'est répété le problème, donc vous inquiétez pas, normalement j'ai déjà, à l'heure où je vous parle, enfin à l'heure où vous voyez la vidéo, j'ai déjà un nouveau casque et du coup le micro il buggera plus normalement. Mais en attendant, j'utilise un ancien micro, mais il est quand même bien, mais c'est un peu compliqué parce que du coup comme il est pas direct près de ma bouche, on m'entendra moins fort, je sais pas. Du coup, je vous montre les images que j'ai eues. Du coup, j'espère que normalement le micro, enfin le problème vient juste du micro. Alors du coup, j'ai eu ça, je crois. Oui, voilà. Du coup, c'était un succès. Genre, en mode, en fait, j'ai speed la partie de Monica, du coup. Enfin, où on est avec elle. Et du coup, genre, j'ai terminé le jeu poétique en 20 secondes maximum. Et du coup, j'ai débloqué cette image. Après, il y avait les poèmes et tout ça. Et du coup, bah, dans la route de Sayuri, il y a cette image. Et il y a celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. Quand on lui dit qu'on l'aime. Alors j'ai eu ça comme truc spécial cette fois. J'ai pas eu de nouveau décor, mais du coup j'ai eu des nouvelles images là comme ça. J'ai eu celle-là. C'est à l'acte 1, essayer d'aider Sayori et Monica pour participer, pour préparer le festival avant de choisir Natsuki ou Yuri. En gros, de base, j'avais choisi Sayori et j'avais oublié qu'on pouvait pas. Et je pensais que Monica on pouvait, mais on peut vraiment pas. Du coup, j'ai essayé Monica, mais ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai eu l'image là de le croquis là de Sayori. Oh, Natsuki, je suis fatiguée. Pendant le jeu poétique, écrire un poème parfait à Natsuki. Du coup, c'était un des succès que j'ai fait. Et ça, je crois que je l'avais déjà eu. Je sais plus si je l'ai eu. Et ça, du coup, je l'ai eu. Pendant le jeu poétique, écrire un poème parfait à Sayori. Du coup, c'est ce que j'avais fait. J'ai fait le succès pareil avec Sayori. Et j'ai fait aussi avec Yuri, du coup. Ah bah là, je l'ai eu hier, du coup. Et voilà, j'ai eu ça aussi. Et après, supprimer le fichier. Ah oui, j'ai eu ça aussi. Parce que j'ai pas perdu mon temps. J'ai direct supprimé Monica. Et du coup, ça, c'était. J'avais déjà ça. Et ensuite j'ai eu les images là, celle-là je la trouvais belle, je l'avais mis en fond d'écran, du coup. Supprimer Monica une deuxième fois. Et après j'ai eu celle-là. Choisir le mot horreur pendant le jeu poétique, du coup. Mais j'ai préféré mettre celle-là, du coup, en fond d'écran, comme vous avez vu. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu. Et du coup j'ai débloqué pardon, deux histoires annexes. Donc je pense qu'il y en a une sur Natsuki et Monica et une sur Sayori et Natsuki. Et du coup, il faudra que je refasse la route avec Yuri. Comme ça, j'aurai tout. Mais je pense que je ferai aussi. J'essaierai de faire la fin, vous savez, cachée. Comme ça, peut-être que je débloquerai tout et tout. Et comme ça, je vous montrerai. Enfin. Ouais, je vous montrerai. Ce qu'il y a en plus ou pas. Voilà. Parce que je pense que les arrière-plans qui me manquent, ça doit être avec Yuri et tout ça. Parce que. Du coup, j'ai rien fait, j'ai pas encore fait la route avec Yuri. Voilà. Du coup, on va commencer. Respect. Enfin, on va faire respect en entier aujourd'hui. C'est parti. Donc, je pense que peu importe la route que tu fais, tu les débloques toujours dans l'ordre. Les histoires annexes. Ça fait plusieurs semaines que le club existe officiellement. Malgré quelques ratés au départ. Monica, Sayuri et Yuri ont renforcé leur lien au sein du club. Sayuri s'est lancée dans quelques livres de fantasy de Yuri et toutes les trois emmenées par Sayuri se sont prises de passion pour la poésie. Voilà, j'ai juste recommencé l'enregistrement parce que sinon vous n'entendrez pas la musique. Je viens d'écouter le son de mon micro, il change énormément de celui de mon casque, ça fait un peu bizarre mais bon.
C'est juste pour cette vidéo. Encore, ça va, je trouve. C'est pas le pire des micros du monde. Je sais plus si j'ai déjà lu ça, mais c'est pas grave. Un jour, la porte de la salle s'ouvre, les interrompant toutes les trois. Une fille s'avance qu'aucune d'elles n'avait vue auparavant. La musique est un peu forte. Salut! Tout excité, Sayori tire sur la manche de Monica. Yuri change de position sur sa chaise et disparaît derrière son lit. Tu viens pour le club de littérature? Ouais. Super, c'est gentil de passer nous voir. Comme tu vois, on est encore un petit club. Alors ça fait vraiment plaisir de voir un nouveau visage. Ouais. Entre, assieds-toi, tu peux te mettre à côté de moi si tu veux. Sayori sautille jusqu'à son pupitre et pose les mains dessus. Oh, et Yuri peut faire du thé? Je peux te faire du thé. Et Yuri lève les yeux vers Sayori, semblant lui reprocher d'avoir attiré l'attention sur elle. Natsuki regarde tout le monde sans rien dire, puis s'assoit auprès de Sayori. Monica limite en s'asseyant à côté d'elle. Ce regroupement soudain perturbe Yuri, qui décide de se lever pour aller faire du thé. Bon, et si on se présentait? Si tu veux. Je m'appelle Monica, c'est moi qui ai créé le club. Avant, je faisais partie du club de débat, mais je voulais faire quelque chose qui me passionne vraiment. J'ai créé le club de littérature pour que ses membres puissent s'exprimer par l'écriture, la lecture ou quoi que ce soit en rapport avec la littérature. Pour tout te dire, je me doutais un peu que c'était ton idée, ce club. Tu dégages un truc. Ah bon? Je dégage quoi? Bah tu sais, genre... Non, laisse tomber. Je vais pas me mettre à juger des gens que je viens de rencontrer. C'est très adulte de ta part. Moi, je juge toujours les gens trop durement. Mais non, Sayori. Si, c'est vrai. Impassible, la voix de Yori traverse la pièce. Natsuki pousse un petit rire. Je m'appelle Sayori. J'aime bien apprendre à connaître les gens et me faire des amis. Oh, et j'aime la poésie aussi. Ah bon? Très adulte de ta part. En même temps, je suis adulte. Le bruit de la bouillère électrique de Yuri se met à retentir dans la pièce. Ah, et elle, c'est Yuri. Sayori baisse la voix. Elle est un peu timide, mais très gentille et super intelligente. Elle aime les gros livres de fantasy et le thé, je l'adore. Bon, je crois qu'il reste plus que moi. Je m'appelle Natsuki, j'aime écouter de la musique et traîner en ville. Et mon parfum de glace préféré, c'est fraise. Elle a beau goût. Oh, on devrait aller se manger une glace. Je crois que mon parfum préféré, c'est... Oh non, pâte à cookies. Non, c'est pas ça. Cookie d'Ao. Ou chocolat, peut-être. C'est cookie d'Ao. Et Monica, je parie que c'est vanille. Comment tu... Je fais plein de cuisines en ligne. Ceux sur les glaces sont toujours hyper précis. Et Yuri? Natsuki a ses épaules. Je dirais thé vert. Je rigole, j'en ai aucune idée en fait. Quand même. Ça a l'air tranquille ici, vous venez juste pour ici pour papoter ou faire des trucs de club? On fait des trucs de club aussi. C'est juste que ce n'est pas encore très au point vu qu'on n'est que trois. Pour le moment, on se contente de faire des trucs qu'on aime bien. Mais je commence à me dire qu'il est temps qu'on commence à faire des activités plus structurées. Ça fait déjà un moment que j'ai créé le club, alors ce serait bien quoi. En fait, c'est quoi ton genre de littérature, Natsuki? Qu'est-ce que tu attends de ce club? Ah, mon genre de littérature, bah, j'aime bien les mangas. Les mangas? Pourquoi tu dis ça comme ça? Oui, j'aimerais bien lire des mangas au club, moi. Quoi? Ça a l'air super, je veux dire. Après tout ce que je me suis frac... Quoi? Yuri revient avec des tasses de thé sur un plateau qu'elle pose sur son pupitre vide. Il va avoir le débat des mangas. Après tout, les trucs compliqués que j'ai pu lire, ça me ferait du bien de passer à quelque chose de plus simple. Ça n'a rien de simple, les mangas. Si tu crois ça, c'est que tu comprends rien aux nuances. Je voulais pas dire ça, mais dans ce sens-là. Bref. Après les mangas... À quel genre à quel autre genre littéraire tu t'intéresses? Aucun en particulier. Dans ce cas, tu as déjà pensé à rejoindre le club d'animé? T'es sérieuse là? Pas moyen que je rejoigne ce club. Il est plein de mecs chelous. Tu
m'étonne. Et puis c'est quoi le problème? Les mangas, c'est de la littérature, non? Techniquement, oui, si on prend la définition exacte du mot littérature. Bon, écoutez, je veux bien faire toutes les activités que vous m'acceptez. Je vous jure que je n'embêterai personne. Si je peux juste laisser mes mangas ici et venir passer un peu de temps avec vous après les cours, je ferai tout ce que vous voulez. Ça vous va? Oui, je n'y vois pas d'inconvénient. Oh, génial, merci. C'est trop sympa. J'ai mis la plupart de mes mangas dans mon casier, mais il est plein à craquer, alors je vais les chercher, d'accord? Nakutsuki se lève. Tu as besoin d'aide? T'inquiète pas, ça ira. Et j'ai pas envie que tu me voies mon casier. Comme tu veux, mais il ne peut pas être pire que le mien. On va pas faire un concours non plus. Natsuki sort de la salle, tout le monde s'est tué, on n'entend plus que Yori qui sirote son thé. Je n'ai vraiment aucune volonté. Ah, c'est pas si grave. Natsuki a l'air sympa. Peut-être, mais je te rappelle qu'elle ne s'intéresse absolument pas à la littérature. Ce qui me gêne le plus, c'est la façon dont elle a dit qu'elle acceptait de participer aux activités du club, comme si c'était une obligation. En tout cas, son thé va se refroidir. C'est vrai. Quel rapport? Perso, je pense que tout le monde a droit à sa chance. Surtout si on peut lui apporter un peu de bonheur. Et puis, elle va peut-être se mettre à aimer la littérature, va savoir. Tu ne dis pas ça seulement parce que tu as envie de lire ces mangas. Dis donc, tu me prends pour qui? Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Toute cette histoire me met un peu mal à l'aise. Qu'est-ce que tu en penses, Yuri? Pas grand-chose. Elle a dit qu'elle n'embêterait personne et ça m'inclut moi aussi, donc. Tu veux dire que je t'embête, moi? Non, j'adore quand tu es là. Oh! Je crois que j'avais envie que tu me fasses un petit compliment. Je sais. N'empêche, je crois qu'on devrait lui donner une chance. Bon, d'accord. Mais j'aimerais vraiment qu'on organise l'activité pour le club. Je veux bien t'aider? Soudain, les trois filles entendent un bruit sourd contre la porte. C'était quoi ça? Cerise se lève et se dirige vers la porte puis l'ouvre. Merci. Portant trois gros cartons remplis de mangas, Natsuki grogne et pénètre lentement dans la pièce, puis se penche et dépose tout par terre aussi doucement que possible. Ah oui, quand même. C'est le rigolo d'excitation reprenant son souffle, Natsuki ajoute. Il reste un dernier carton. Je peux les ranger toute seule, je sais comment les organiser. Monika lance des regards anxieux à Sayuri et Yuri. Est-ce vraiment une bonne idée? C'est peut-être ce dont elle a besoin pour lancer le club sur la bonne voie avant que tout le monde ne se laisse aller à la nonchalance. Il semble que les choses commencent enfin à devenir un peu plus sérieuses. Lors de la réunion suivante, Monika est la première arrivée. Cependant, elle se sent beaucoup moins détendue depuis l'arrivée de Natsuki. Pourquoi je suis nerveuse comme ça? Elle fait les 100 pas en essayant de comprendre ce qui lui arrive. Elle sait pas comment s'y prendre avec Natsuki. Natsuki a dit qu'elle n'embêterait personne, alors pourquoi j'ai l'impression que l'ambiance a vraiment changé? Alors que Monika réfléchit, la porte s'ouvre et Natsuki apparaît portant un carton. Gênant. Monika se force à sourire pendant que Natsuki se dirige vers les placards. Natsuki lui rend un sourire tout aussi forcé. Tu as besoin d'aide? Non, ça va. Monika tente maladroitement d'engager la conversation, mais sans succès. Curieuse, elle jette un coup d'œil dans les placards où Natsuki range tous ses mangas. Les étagères qui ne servaient jusqu'ici aux fournitures scolaires se retrouvent soudain pleines de couleurs et de jolis dessins. Tu sais, l'étagère du haut est vide, tu pourrais peut-être les mettre là, non? C'est trop haut pour moi, ce serait pas pratique. D'accord, mais. Monika pousse un soupir. Les profs vont demander ce que tous ces mangas font là, je devrais leur dire que c'est pour le club de littérature. Et alors? Monika recule et se laisse tomber sur sa pupitre. La tension est telle que l'atmosphère détendue de ces dernières semaines semble s'évaporer tout à coup. Coucou! Sayori entre en trombe dans la salle. Tu as l'air de bonne humeur, dis donc. Ouais, c'est parce que j'ai ça! Sayori rendit un cookie enveloppé d'un emballage plastique. J'ai trouvé un peu d'argent et je me suis acheté un cookie. Oh, c'est trop joli!
Cerise trotte vers le placard, l'œil attiré par les étagères multicolores. Bon, je commence par lequel? Déjà, tu peux commencer par me donner un bout de ton cookie. Ah non! J'ai eu beaucoup de chance de trouver cet argent. Si en mon royaume tu veux pénétrer, tu dois en payer la dîme, misérable paysanne. Vaincu, Sayori déballe son cookie et casse un morceau qu'elle tend à Natsuki. C'est alors que Yuri entre silencieusement dans la salle. Monica lui lance un regard suppliant, Yuri lui répond d'un hochement de tête indiquant qu'elle a compris. Bon, maintenant que tout le monde est là, je tiens à dire que même si on n'a qu'une seule nouvelle membre, le club a l'air déjà deux fois plus vivant. Je pense qu'aujourd'hui on devrait faire une liste d'activités et voir lesquelles on peut faire en premier. Maintenant qu'on est quatre, ce serait super si on pouvait trouver des trucs à faire en groupe. Tout le monde est d'accord? Ça me va. Nickel, j'ai quelques idées, mais si vous en avez aussi, lâchez-vous. Moi, j'ai adoré que tout le monde partage ses goûts. On pourrait, je sais pas, consacrer une séance à chacune pour qu'elle parle de son genre littéraire préféré. C'est une idée. Quelque chose me dit que... Monica lance un regard à Yuri et à Natsuki, qui n'ont clairement aucune envie de s'intéresser au goût littéraire de l'autre. Et si on essayait de trouver quelque chose qui ferait plaisir à tout le monde? Par exemple, on vote toutes pour un livre à lire, ce genre de truc. Je trouve que ce serait pas sympa d'essayer de diversifier nos centres d'intérêt plutôt que de rester centré sur ce qu'on connaît. C'est marrant, je me sens un peu visée. Natsuki, tu nous as bien dit que tu acceptais ce qu'on déciderait, non? D'accord, mais c'est pas pour autant qu'il faut ignorer les préférences des autres. Perso, j'ai bien aimé l'idée de Sayori. Oui, moi aussi. Oui, mais... Monika se perd dans ses pensées. Bien qu'elle ait permis à Natsuki de rejoindre le club, elle a beaucoup de mal à accepter sa proposition. Si Natsuki ne respecte pas le club, pourquoi Monika devrait-elle tenir compte de son avis? Natsuki, tu es sûre de ne pas avoir d'autres goûts littéraires que tu aimerais partager avec le club? Ça ne me gêne pas si tu laisses tes mangas ici, juré, mais je... Natsuki se lève soudain et coupant la parole à Monica. Bon, puisqu'il est évident que je n'ai pas ma place ici, je m'en vais. J'aurais juste aimé que tu sois plus franche dès le départ, Monica. Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit, là. Enfin, tu es libre de faire ce que tu veux. Natsuki lance un regard noir à Monica et sort rapidement de la pièce. Ah, c'est pas vrai. Sayori le court après, laissant Monica et Yuri en plan. Pour la deuxième fois de la journée, Monica s'affole sur un pupitre. Je suis vraiment une idiote. Mais non, c'est elle l'idiote, c'est à cause d'elle si je me sens nulle comme ça. Monica lance un regard à Yuri pour chercher son soutien. Son soutien, mais Yuri regarde ailleurs. Elle a dû chercher le plus petit club possible pour ne pas avoir à participer à quoi que ce soit. Comment est-ce qu'elle veut que je la respecte si elle ne respecte pas le club? Qu'est-ce que tu en penses, Yuri? Je ne suis pas très douée pour ce genre de choses. Monica pousse un soupir. Moi non plus, manifestement. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Je ne veux blesser personne, mais je n'arrive pas à me dire que c'est mal d'imposer une vision du club. Je ne sais pas, les gens qui viennent ici pour exprimer leur passion de la littérature ou au moins la faire progresser. En fait, je ne suis pas certaine qu'elle soit faite pour ce club. Monica reste assise en silence, craignant d'accepter ce qu'elle vient de dire. Yuri a l'air tendue, mais semble ne rien vouloir ajouter. Mais excuse-moi, tu peux reprendre ta lecture, tout ça ne te concerne pas finalement. Mais si? Ah bon, en quoi? Je n'arrive pas à lire tranquillement dans une atmosphère tendue. Oh, mais c'est super, voilà que je casse l'ambiance du club. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais, pardon. J'extériorise juste ma frustration, c'est tout, ma culpabilité aussi. Ma frustration en veut Natsuki, mais ma culpabilité m'en veut à moi. Pourquoi c'est si difficile de rester rationnel quand on en a plus le besoin? Je ne te trouve pas irrationnel. En revanche, Natsuki l'est clairement. Elle n'a aucun droit de venir ici et d'imposer ses désirs. Pourquoi tu utilises des mots... Désirata?
C'est quoi ce mot? Au club. À ton club. Et un truc aussi ridicule que les mangas n'a pas sa place ici. Alors là, Yuri, c'est un gros non ce que tu dis, vraiment. Genre, en fait, elle dit juste un truc... elle dit juste des trucs méchants sur Natsuki pour pouvoir remonter le moral à Monica. C'est pas ce que Monica le veut, hein. Déjà que tu as bien voulu lui garder, c'est donc à elle de faire un effort. C'est vrai, mais... Je sais pas trop, c'est un peu méchant de dire que c'est ridicule et que ça n'a pas sa place ici, non? Voilà. Tu n'es pas d'accord? Pourtant, tu as fait tout possible pour qu'on évite d'associer le club au manga. Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde pour le coup. Mais non. Enfin, se rappelant de sa confrontation avec Natsuki, Monika commence à réaliser quelque chose. Tu as peut-être raison, finalement. Je me demande si c'était autre chose que les mangas. Est-ce que ma réaction aurait été la même? Je me suis peut-être convaincue toute seule que ça n'a rien à voir avec les mangas. Je m'en veux de vraiment de réagir comme ça. Poussant un soupir, Monika se dirige vers le placard. Elle se tient là, le regard perdu devant les étagères colorées. C'est juste que ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête quand j'ai créé ce club de littérature. Et ça ne devrait pas poser de problème. Monika se met à défendre une nouvelle fois son point de vue. C'est une notion complexe qu'elle n'avait vraiment jamais prise en compte jusqu'ici. Où se situe la limite que l'on considère comme le club de littérature? Perdue dans ses pensées, Monika tend la main vers l'un des gros cartons en retirer un livre qu'elle regarde d'un œil absent. La couverture montre quatre filles très jolies tout en mini-jupe en prenant des poses exagérées. Regarde-moi ça, quoi. Amusée par l'absurdité de la couverture, Monika ouvre le livre. Ça m'énerve, mais quelle conne cette Monika! Elle devrait être contente que je me joigne à ce club débile, c'est pas comme si ça se bousculait au portillon. Tu sais, en général, elle est vraiment très sympa. Elle fait tout pour que tout le monde se sente bien au club. Tu parles. Oui, bon, en général, quoi. Ouais, peut-être quand elle prend pas les gens de haut. En quoi ça la dérange que j'aime les mangas? Pourquoi elle l'accepte pas, au lieu d'être méprisante comme ça? Moi, ça ne me gêne pas, tu sais. Je trouve ça mignon. Oh, arrête, c'est toi qui es méprisante, là. Excuse-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis ton côté, tu sais. Natsuki pousse un soupir. Je sais, merci. Ah, c'est trop bête. Tu veux que j'aille parler à Monika? J'en sais trop rien. Je vois pas en quoi ça changerait ce qu'elle pense de moi. Je veux dire, même si t'arrives à la convaincre de changer d'avis, je ne me sentirai pas pour autant la bienvenue dans le club de toute façon. Je vais plutôt m'en trouver un autre. Mais non, tu n'as pas à faire ça. On doit pouvoir s'arranger, non? Je veux dire, je suis vice-présidente, enfin, je crois. Et puis, je veux que tu restes. Tout le monde mérite d'être le bienvenu au club et de se sentir bien. C'est aussi valable pour toi, j'y tiens. Au fait, il me demandait un truc. Pourquoi tu as décidé de rejoindre le club de littérature? Natsuki exit. C'est idiot, en fait. Ah, ne dis pas ça. C'est pas idiot, tout le monde est bienvenu. J'étais pas la bienvenue. Pour moi, si. Et donc? Bon, tu le répètes à personne, hein. Surtout pas à Monika. Promis. Natsuki pousse un soupir. C'est juste que j'en ai marre que tout le monde me juge tout le temps. J'arrive jamais à profiter des trucs qui me plaisent sans que quelqu'un me fasse des reproches. Remarque, je me fous pas mal de ce que pensent les autres. Mais j'ai lu sur les prospectus du club des littératures qu'on pouvait être soi-même, genre. C'est pour ça que je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Apparemment, c'était des conneries. L'air abattu, Natsuki tape le mur du bout de son pied. Oh, et puis j'aime écrire aussi. C'est vrai? Pourquoi tu ne l'as pas dit à Monika? Mais parce que... Elle était tellement hautaine avec ses grands airs que j'ai pas eu envie de dire quelque chose qu'elle voulait entendre. Elle méritait pas que je lui fasse ce petit plaisir. Si elle savait que j'adorais écrire, elle l'aurait fait comme les autres, à essayer de m'éloigner des mangas pour me faire des trucs plus adultes. Toutes les deux restent silencieuses en ce moment. Un moment. Sayori comprend que plus... Pour aujourd'hui, au moins, Natsuki ne risque pas de retourner au club.
Cela dit, comme toutes les autres, Natsuki a une bonne raison de vouloir faire partie du club. Qu'elle soit la bienvenue, fait partie de la sorte du club. Tu mérites de pouvoir t'exprimer au même titre que les autres. C'est à ça que sert ce club. Alors, crois-moi que je vais faire tout pour corriger le tir. Je te le promets. Avertissement, harcèlement. Ok. J'ai remis les avertissements. Je savais pas que c'était aussi pour ici. Ça doit être pour Natsuki, je suppose. Le lendemain, à l'heure du déjeuner. La cafétéria et les couloirs grouillent d'élèves et se dépêchent d'aller retrouver leurs amis et de profiter au mieux de la courte pause du midi. Où est-ce qu'elle est? Au milieu de la foule, on retrouve Monika qui mange généralement dans sa salle de classe. Aujourd'hui, cependant, elle a autre chose à faire. Craignant que Natsuki ne veuille plus revenir au club, elle a décidé d'aller à sa recherche pendant la pause de midi pour s'excuser. Après de longues recherches, Monika la trouve enfin. Malgré sa petite taille, Natsuki se repère facilement dans la foule grâce à sa chevelure rose vif. Allez, courage. Soudain, mal à l'aise, Monika a peur de l'aborder. Natsuki est en pleine discussion avec des amis que Monika ne reconnaît pas. Ce serait mal vu de les interrompre. Oh? Alors, t'as fini par rejoindre ce club de littérature au final? Hein? Bah oui, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Tu vois, je t'avais dit qu'elle le ferait. Tu sais bien qu'elle l'a fait juste parce qu'elle t'arrêtait pas de la charrier sur le club d'animé. Je t'ai déjà dit que j'ai jamais voulu rejoindre ce club de débiles. Mais oui, bien sûr. Il faut reconnaître qu'elle a fait un effort sur ce coup-là, elle a grandi Natsuki. C'est vrai, félicitations pour ton passage en CE2, Natsuki, on est fiers de toi. C'est quoi ces potes? Change de pote. C'est bon, fichez-moi la paix. Ça va, je rigole, on t'aime, tu sais. Ouais, trop. Mais ouais, et quand tu seras devenue quand tu seras devenue une écrivaine célèbre grâce à ton club de littérature, on sera les premières à acheter tes bouquins. Quoi? Tu vas acheter sa fanfiction à 2 balles? Alors, elle a l'air gentille, là. Celle avec, qui a visiblement les cheveux longs. Pas gentille, pardon. Mais l'autre, elle a l'air gentille. Enfin, un peu des deux. Ah, mais Claire, je veux qu'elle me la dédicace, même. Voilà, enfin, elle a l'air un peu plus enthousiaste. Bon, après, je sais pas si elle fait semblant, mais... S'il y a des années, vous voyez pas que j'ai grandi un peu depuis? Ah, je rigole, je t'ai dit. En tout cas, ça montre bien les progrès que tu as fait depuis. Trop drôle. Je faisais une blague sur le fait que tu te fasses écraser, je te dirais quoi? Hein? Mais je rigolais? Connasse. Putain. Sans parler que tu y serais jamais arrivé sans nous, tu me donnes le droit de nous moquer un peu. C'est quoi cette phrase illogique? Ouais, non, elle est à moitié connasse, à moitié gentille, elle. Ah, il grandit si vite, j'en ai les larmes aux yeux. Natsuki lance soudain un regard vers Monika qui se détourne immédiatement et prend ses distances. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais quelle horreur! J'aurais dû dire quelque chose pour la défendre, pourquoi faut-il toujours que je fuis les complices? Pas que j'ai mon mot à dire après la façon dont je l'ai traitée, mais je ne vaux pas mieux que ces filles. Ah, je me déteste, j'ai fait tout de travers. Après les cours, Monika sera à la salle du club d'un pas distrait. Yuri est déjà là, plongée dans un live comme à son habitude. Monika se dirige vers un pupitre et s'écroule dessus, chose qu'elle semble faire plutôt souvent ces derniers temps. Yuri, je ne crois pas pouvoir rester présidente. Je suis incapable de gérer les situations qui ne vont pas dans mon sens. Yuri lève les yeux de son livre. C'est un club où on doit pouvoir s'exprimer, pas où il faut être d'accord avec moi. Ah, ce que je m'en veux... Ce qui m'énerve le plus, c'est que je n'ai même pas été capable de me rendre compte de ce que je faisais. Tu parles d'une adulte. Je suis désolée, je ne devrais pas me plaindre comme ça. C'est juste que ça me prend la tête, là. Non, ça va. Quoi? J'aime bien écouter les autres. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Yuri hausse les épaules. Je sais pas, ça me donne l'impression d'être gentille. Ah bon? D'accord, je vais continuer mes jérémiades alors. Yuri acquiesce. Enfin... Je veux dire, Natsuki a une personnalité, disons, un peu brute de décoffrage. J'ai eu l'impression qu'elle ne prenait pas le club au sérieux, je n'ai même pas compris pourquoi elle voulait se joindre à nous. Je l'ai vu parler avec ses copines dans le couloir à midi, elles étaient super méchantes avec elle. Elle lui disait de grandir un peu, ce genre de truc que le club de littérature l'aiderait à lâcher ses mangas de gamine.
Ça m'a mise hors de moi, je me disais, laissez-la lire des mangas, si elle aime ça, ça lui fait plaisir, en quoi ça vous gêne? Et c'est en me disant ça que je me suis rendu compte que j'avais fait un peu la même chose différemment, mais les résultats étaient les mêmes. Au lieu de la rassurer en lui disant d'être passionnée était une bonne chose, j'ai botté en touche, pris pied, je l'ai prise d'eau. D'eau? Ouais. J'ai un peu bugué. D'ailleurs, j'ai fait la même chose avec toi, Yuri, quand tu as rejoint le club. Ah bon? Oui, je me souviens, le fantasy, c'était pas trop mon truc. Du coup, j'essayais de parler d'autre chose quand Sayori a rectifié le tir. Ça aurait dû me faire réfléchir, mais non, je me suis contentée de laisser Sayori gérer la situation. Et voilà que je refais la même erreur, sauf que cette fois, j'ai vraiment blessé quelqu'un. Monica secoue la tête. J'en ai marre d'avoir peur de tout ce qui me met mal à l'aise. C'est trop bête. Je suis sûre que Natsuki serait très heureuse si je la laissais un peu... J'ai laissé un peu partager sa passion. Ça m'énerve trop d'avoir entendu ses copines la traiter comme ça. Je vais leur jouer un tour à ma façon. Comment ça? Eh bien... Je vais tout faire pour que le club de littérature soit ce que Natsuki en entend. On attend. Et pas celui qu'elle s'imagine. Souvent, Sayori entre en trombe, faisant sursauter Monica et Yuri. Le visage grave, elle se dirige d'un pas vif vers le plus vite de Monica et s'assoit à côté d'elle. Il faut qu'on parle. Je suis vice-présidente, je te rappelle. Ça propose Natsuki? Oui. Oui, je sais. J'ai fait n'importe quoi, je suis désolée. J'en parlais justement à Yuri. C'est vrai? Je l'ai prise de haut quand elle parlait de sa passion et elle n'a pas dû se sentir la bienvenue. Tout l'inverse de ce que le club de littérature est censé être, en fait. Il faut que je me rattrape. Ah. Ouh, j'ai réussi. Moi, c'est ton adoration, Sayori. Contente de voir qu'on est sur la même longueur d'onde. Vive l'amitié! Bon, comment tu comptes t'y prendre? J'ai une idée. Sayori, tu sais si Natsuki vient à la réunion du club ce soir? Je ne crois pas, non? Je vois. Monica la craignait. La voilà face aux conséquences des dégâts qu'elle a provoqués malgré elle. La seule manière de régler le problème, c'est de l'affronter de face. Il est tellement facile d'éviter le conflit et d'attendre que les choses se calment d'elles-mêmes. Mais ça ne suffit pas. Pour véritablement faire comprendre à quelqu'un qu'on a blessé, qu'on le respecte, il faut lui parler et reconnaître ses erreurs. Pas les erreurs de gestion du club, mais le manque de respect envers les sentiments de Natsuki. D'accord, tu crois que tu pourras la faire venir à la réunion de demain? Oui, ça doit être possible. Ok, super. Je n'ai même pas à t'en faire, Yuri. Merci d'être mon amie et de m'avoir écouté. Jouant avec ses cheveux, Yuri se retourne pour cacher un sourire. Oh! Bon, je crois que la réunion d'aujourd'hui va plutôt être calme. C'est une jeune personne si je vais faire un tour? Non, vas-y, je vais lire un peu avec Yuri. Eh, mais c'est un des livres de Natsuki, qu'est-ce qu'il fait là? Yuri prend un manga qui se trouvait sur un pupitre voisin. Ah, ça, Natsuki a dû le laisser traîner là. Mais je croyais qu'elle ne venait pas au club. En fait, Monica, c'est forcément quelqu'un d'autre qui est venu à la salle. C'est tout. Pas vrai, Yuri? Monica sourit aux deux filles. C'est elle qui a commencé à le lire. Puis elle sort de la salle en leur disant au revoir d'un geste de la main. Je n'aurais pas dû le laisser traîner. Si Sayori comprend que c'est moi, elle va en parler à Natsuki et ça va être le gros malaise. Tiens, je me demande si elle a calvé sur lesquels que je pourrais emprunter dans la salle de musique. C'est déjà l'heure de la réunion suivante. Monica et Yuri sont les premières arrivées. Je m'inquiète un peu. Tu crois que Sayori a réussi à convaincre Natsuki de venir? Oui. Comment tu peux en être sûre? C'est Sayori, quoi. Tu as raison. Ces graines? Je pense que c'est ça. Lentement. Monica s'assoit puis se relève pour refaire les 100 pas. Puis s'assoit à nouveau. Je suis vraiment fatiguée, hein. J'ai l'impression de plus savoir lire. Yuri reste plongée dans son livre. Enfin, la porte s'ouvre. Sayori entre dans la salle. Derrière, Natsuki entre d'un pas traînant. en regardant nerveusement autour d'elle. On est là! Salut! En tant que présidente du club, Monica s'élève et les accueille avec un grand sourire.
Sayori se met à un pupitre et Natsuki s'assoit à côté d'elle. En regardant une à une, les membres du club, Monika est prise d'une soudaine bouffée de nostalgie. Elle se tenait assise devant le tableau face au reste de la salle en essayant d'imaginer quel genre de membre serait un jour assis devant elle. Cependant, son imagination était loin de prédire la diversité et l'originalité de ses filles. Chacune de ses propres conflits et ses propres raisons à s'identifier à la vision du club que Monika avait besoin. J'ai rien compris, faut que je relise. Chacune a ses propres conflits et ses propres raisons de s'identifier à la vision du club que Monika avait plus ou moins mise en avant. Chercher la confiance, la compréhension ou le respect. Depuis le début, c'est le même nom que les histoires. Quelle nouvelle leçon l'avenir réserve-t-il au club de littérature? Se rendant compte qu'elle se perd un peu trop dans ses pensées, Monika prend une profonde inspiration. Votre attention, tout le monde. On va commencer la séance. Aujourd'hui, on a prévu une activité. Monika se retourne pour faire face au tableau. Elle se met à écrire manga en grosses lettres. Aujourd'hui, nous faisons appel à une experte pour nous expliquer une forme littérature assez unique dans son genre, les mangas. Non, mais sérieux, c'est pas la peine de te forcer là. Je sais que ça t'intéresse pas alors. Monika secoue la tête. Natsuki, le moment est tendu. À ce stade, elle lui serait facile de se contenter de sourire et de poursuivre la séance. Mais ça ne suffit pas, pas cette fois. Je m'excuse. J'ai eu tort de ne pas te prendre au sérieux alors que tu as eu la gentillesse de t'intéresser à mon club. J'ai réfléchi et je me suis rendu compte que je manquais cruellement d'objectivité vis-à-vis des mangas. Ça m'a poussé à te manquer de respect et j'en suis vraiment désolée. Je crois sincèrement que tu mérites de partager ta passion avec nous. Alors tu veux bien que j'essaie de me faire pardonner? Merci, mais... Je sais que tu fais ça juste parce que Sayori te l'a demandé. Même pas! C'est Monika qui a prévu tout ça, je n'ai même pas eu l'occasion de lui parler. C'est vrai, j'en suis témoin. Nous sommes le club de littérature. Ce club a pour vocation de permettre à chacun d'être lui-même. Puisqu'on a tous nos centres d'intérêt et nos différences, je pense qu'on devrait tous pouvoir savoir s'exprimer librement. Par contre, là, je crois que l'image, je ne la connais pas pour une fois. Je connais une image où elles sont toutes ensemble. Je pense que ce sera la dernière histoire, mais c'est tout. Sinon, je ne connais pas d'autres images. Mon but, c'est de respecter l'individualité de chacune. C'est pour ça que je veux que vous parliez de ce qui vous rend heureuse. Et tu as le droit de partager tes goûts autant que les autres, Natsuki. Ça te va? Natsuki regarde au loin hésitante. C'est juste que... Ce que j'aime, c'est débile. Monika le sourit. Elle s'agenouille devant le pupitre de Natsuki et la regarde droit dans les yeux. Si tu aimes ça, alors non, ce n'est pas débile. Oui, enfin, sauf pour moi. Sayori, tu n'as rien de débile, toi non plus. Qu'est-ce qu'elle raconte? Vous êtes vraiment des tarés. C'est bon, je vais vous montrer quelques-uns de mes mangas. Mais seulement parce que vous admettez que enfin, c'est finalement un genre littéraire. Natsuki se lève. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'adore écrire aussi. Je suis même assez pro dans le genre. Mais je voulais pas que vous m'acceptiez juste pour ça. Sérieux? J'étais vraiment mal jugée, Natsuki. Ouais, ben... C'est pas le sujet du jour, de toute façon, si. Aujourd'hui, on va parler de manga, alors accrochez-vous. Y a pas d'image, du coup, pour celui-là. C'est pour ça. Ah, non, c'est pas fini. Je pensais que ça allait être fini. Une semaine s'est écoulée depuis que Natsuki est revenue au club de littérature. Depuis, les activités du club sont en plein essor. Chaque membre appuie le temps d'une séance partagée avec les autres ses genres littéraires favoris. À la fin d'une nouvelle réunion, Monika s'approche de Natsuki en sortant de la pièce. Dis-moi, Natsuki, j'ai pressé ce soir? Moi? Non, pas vraiment, pourquoi? C'est juste que j'aimerais te montrer un truc si tu as quelques minutes. Bien sûr, c'est quoi? Pas ici, tu peux venir avec moi à la salle de musique? La salle de musique? Pourquoi? Tu verras. Oh, elle est belle la salle de musique! Tu sais, je réfléchissais. Quand il n'y avait que Sayori et moi, on parlait de la façon dont on envisageait le club. On tenait beaucoup à ce que ce soit un endroit où tout le monde puisse s'exprimer. Elle m'a dit un truc bizarre, que j'essayais de faire le club
quelque chose dont j'avais besoin personnellement. Mais je crois que c'est parce que... Mais je crois que c'est quand tu es arrivé que j'ai vraiment compris ce qu'elle a voulu dire. Tu m'as beaucoup appris sur moi-même. Des trucs que j'avais trop... J'ai... Des trucs que j'étais trop butée pour admettre. Oh, arrête ton char, j'ai rien fait du tout. J'ai juste apporté tout un tas de mangas et je me suis énervée quand ça s'est passé... Quand ça s'est pas passé comme je voulais. J'étais vraiment stupide d'en faire tout un plat d'ailleurs. Non, non, j'avais besoin de ça, je crois. Si tu ne m'avais pas fait comprendre que je t'avais blessé, je n'aurais jamais réalisé que j'avais fait quelque chose de mal. Et puis tu as le droit d'avoir des sentiments, hein? Ils méritent d'être entendus et respectés. C'est vrai que c'est dur des fois de se... C'est vrai que c'est dur des fois de ressentir les choses comme ça. Genre, je devrais vraiment pas me soucier de ce que les ce que les autres... Genre, je devrais vraiment pas me soucier de ce que pensent les autres déjà. C'est juste que quand on se fait tout le temps critiquer par son entourage juste parce qu'on est, c'est pas facile d'avoir confiance en soi. Et on commence à se dire que le problème, c'est soi-même. Genre, j'en ai pas fait assez pour plaire aux autres. Quoi, c'est trop demandé de vouloir que les gens m'apprécient sans que j'aie à cacher tout un tas de trucs. Perso, je crois pas. J'aimerais simplement que personne... J'aimerais simplement que parfois les gens essaient de m'apprécier pour qui je suis vraiment. Tout en l'écoutant, Monica se rappelle très nettement dans la façon dont Natsuki se faisait traiter par ses amis et à combien ça leur paraissait naturel. Depuis combien de temps prenait-elle sur elle, refusant de changer pour les autres? J'aimerais vraiment être aussi forte que toi, Natsuki. Tu es tellement honnête avec toi-même. Moi, j'essaie toujours de me distinguer en étant la plus parfaite possible des autres. Mais dès qu'il y a le moindre conflit, je m'effondre. D'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai vraiment commencé à réfléchir à tout ça. C'est toi qui m'as poussé à faire ce travail sur moi-même. Ouais, enfin, comme j'ai dit, j'ai rien fait du tout, moi. Tu étais toi-même, tu n'avais pas besoin d'en faire plus. Et puis, il y a autre chose. Quoi? Monica prend une profonde respiration. En fait... J'ai peut-être lu un peu... J'ai bien dit un peu un de tes mangas. Quoi, toi? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Je suis désolée, je crois que je me sentais trop mal à l'aise pour l'admettre, surtout après t'avoir charrié comme je l'ai fait. J'arrive pas à croire que toi, tu lisais des mangas dans mon dos. C'est mortel. C'est oui, bon... J'ai juste commencé à en feuilleter un par curiosité et j'ai fini par en lire une bonne partie. Mais bon, un des personnages... Était dans un club de littérature, c'est dingue comme coïncidence, non? Tu lisais Perfect Girls? Très bon choix. C'était juste un seul, hein? Je l'avais pris au pif, en fait. Alors, tu as une bonne intuition. Il faut juste que tu me racontes les passages que t'as préférés. C'est quand même une drôle de coïncidence. Je veux dire, l'héroïne n'est pas juste dans un club de littérature, elle joue du piano aussi. Et c'est marrant parce que j'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano, moi aussi. C'est juste un peu le personnage que j'ai toujours rêvé d'être si je pouvais faire ce que je veux au lieu de toujours me remettre en question. Oh. Monica s'approche du piano et s'assoit. Oh, elles sont trop belles! J'essaie de pas payer un câble actuellement parce que, bon, si vous me connaissez depuis longtemps, Natsuki c'est ma chouchoute. Mais avec le temps, Monica elle l'est devenue aussi. Et du coup, je suis un peu. Ah, elles sont trop jolies! Je vais mourir! Mais non, elles sont trop belles! Regardez-moi ça! Ah! Elles sont trop jolies. J'ai toujours été convaincue que je ne devrais pas partager uniquement le meilleur de moi-même pour impressionner les gens et pour qu'ils m'aiment davantage. C'est quand tu as rejoint le club que j'ai vraiment compris à quel point c'était autodestructeur comme comportement. On partage pour s'exprimer, partager des expériences nous permet d'extérioriser nos émotions. Et donc j'ai eu envie de te faire écouter ça, parce que sans toi je n'aurais jamais commencé à apprendre à en jouer. C'est pas grâce à moi en fait, c'est grâce à Perfect Girls. Non. Bon peut-être c'est vrai, disons que c'est Perfect Girls qui m'y a fait penser. Mais c'est toi qui m'as donné envie de continuer à m'entraîner tous les jours.
Tous les jours? Oui, parce que tu m'as fait comprendre que quand on veut faire quelque chose, il faut le faire sans poser de questions. Bon, ça ne fait pas très longtemps que j'ai commencé non plus. Et franchement, je ne suis pas très douée. Mais j'ai écrit un morceau pour le club. Un morceau que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Il n'y a pas de parole, mais enfin, voilà quoi. Hein? C'est ça la musique? Ou pas? On voit tous les décors. Oh là là! Est trop chou. Ça fait quelques jours, elle fait du piano, elle fait ça. On rappelle au cas où. Elle est vraiment trop belle l'image, j'ai envie de la mettre dans le fond d'écran maintenant. Voilà, c'est tout. C'était trop bien! Ah bon? Bah ouais, tu rigoles ou quoi? T'es presque une pro? Tu rêves là. Et il s'appelle comment ton morceau? Comme tu t'as dit qu'il était sur le club. Oui. Il s'appelle Vos notes font ma chanson. C'est parce que tout le monde apporte quelque chose d'unique au club. En fait, il est complètement différent de ce que j'avais imaginé au départ. J'étais une perfectionniste très égoïste. Ce club n'est pas censé être pour moi, mais pour tout le monde. C'est vous toutes qui le façonnez pour qu'il devienne ce qu'il est. Je ne changerai ça pour rien au monde. Eh ben, c'est très délicat de ta part. C'est flatteur aussi. Je crois pas mériter une reconnaissance pareille. Je veux dire, je me suis pas montrée très patiente non plus quand j'ai rejoint le club. Du coup, je devrais sans doute m'excuser moi aussi. En fait, je crois que j'en avais marre de plein de trucs et que j'étais frustrée. Que le club aille pas dans mon sens. Donc bref, je voulais vraiment pas m'en prendre à toi, tu sais. Je me suis comportée comme une gamine. Et si t'arrives à me faire m'excuser, vu comme je suis bornée, c'est que tu te débrouilles pas si mal finalement. Bon du coup, je crois qu'on est quitte, non? En tout cas, c'est bien que tu aies réfléchi et il faut beaucoup de maturité pour faire ce genre de choses. Eh ben. Je me demande d'où ça vient. Enfin bref. Si tu me permets toujours de ranger mes mangas dans le placard du club, on y quitte. Maintenant que t'as reconnu que c'était un genre littéral, tu peux plus revenir sur ta parole. C'est clair, le placard est à toi. Tiens, je vais même apporter un petit quelque chose à la séance de demain. J'ai envie de vous faire plaisir pour vous remercier toutes. Quel genre de petites choses? Oh, tu verras. Mais je pense que ça va te plaire. La réunion suivante se termine sur une note particulièrement savoureuse. Ouais, elle a fait à manger. Ah, y a pas. Ce sera dans la suite du coup. Non, équilibre. Je me demande ce qu'il va avoir du coup. Ouais, j'espère qu'il y aura pas de choses qui va pas partir en steak comme le jeu principal. Enfin, du coup, j'ai enfin un Natsuki comme ça. Terminer l'histoire annexe, respect 1. Alors j'ai celle-là aussi. Elle est trop chou. Respect 2. C'est un peu la même chibi que dans celui-là. Ouais, c'est le même style. Que j'avais mis de base. Au fond d'écran. Il y a... Oh non. Elle est trop chou.
Et du coup, l'illustration avec Natsuki, elle est trop belle. Je vais la mettre en fond d'écran. Et du coup, j'ai débloqué la salle du club de musique. Oh! Fourni lors d'une communication par email. Esquisse préliminaire rapide de l'apparence probable du protagoniste s'il avait été un personnage réel. Ah ouais. Bah, elle ressemble un peu à comment tout le monde imaginait, j'ai envie de dire. Voilà, on a tout vu. Attendez. Je peux pas cacher Natsuki. On peut pas enlever. Zut. Bon. Du coup, nous, on se retrouve ce soir en live à 20h30 sur Twitch. Et mon Twitch est en description, vous inquiétez pas. Et on se retrouve dimanche. Je sais pas si je ferai d'autres lives d'ici là. On se retrouve dimanche pour la suite d'Idols. Donc, bye bye!